vous allez tous très bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo présentation de mes coques de téléphone. Et oui, j'ai acheté des coques de téléphone comme cadeau d'anniversaire, parce que mon anniversaire ça a été il y a un mois. Donc voilà, mais ils m'ont promis, donc j'ai fait ma promesse, donc voilà. Alors, je vais vous présenter d'abord les colis que j'ai reçus sur Amazon, puis sur un autre site, et oui, j'ai commandé sur 3 sites différents. Donc, je vous fais un petit disclaimer, les amis, tout ça, mes parents m'ont autorisé, m'ont offert comme cadeau. Donc, voilà. Et sinon, pour ceux qui savent, j'ai un Huawei P20 Lite, je n'ai pas un iPhone, je sais pas pourquoi vous sortez ça, mais c'est vrai, ça ressemble, mais je n'ai pas un iPhone, j'ai bien un Huawei. Enfin bref, on commence. Alors, sur Amazon, j'ai commandé principalement 2 livres pour l'école. Il y a un livre qui est malheureusement en bas dans mon sac. C'est le livre Genesis Alpha. L'auteur, je ne sais plus par cœur, mais tout ce que je sais dire, c'est que le résumé, ça parle que la mort n'est pas un jeu. Donc, je suppose qu'on va parler que le personnage principal a fait une connerie qui fait qu'il a été arrêté, qui fait qu'il a été en prison, apparemment. Vous verrez bien au fur et à mesure de ma lecture. Et ensuite, j'ai commandé le livre après pour l'école. C'est une BD, c'est Cartago, le lagon de Fortuna. Voilà le livre. Enfin, c'est pas un livre, c'est une BD plutôt. Et franchement, j'adore les images. Donc, dites moi dans les commentaires si vous le connaissez. Ensuite, j'ai commandé une coque pour 4€. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Voilà la coque. Elle est rouge, pâle, pastel. Comme ça, j'adore. Et à moitié souple, à moitié rigide. Donc ça, c'est très bien. Elle protège là-dessus et là-dessous. Donc pour le moment, c'est la coque que je mets en ce moment sur mon téléphone. Donc j'adore. Quoi. C'est tout dur. Hein, ouais, j'adore. Ensuite, nous passons au deuxième site. Alors, je sais plus si c'était ça le site, mais il me semble c'est Case Company. Mais si vous mettez votre coque personnalisée, enfin, bref, vous verrez ça. Mais j'adore la petite pochette, c'est mignon. Et donc, dedans, il y a ma coque personnalisée. Alors, la coque, donc, ce sont mes copines, bien évidemment. Et donc, ici, la photo de base, elle était pas en sépia. C'est là, c'est eux qui ont imprimé comme ça, c'est pas moi qui ai demandé, mais je trouve ça très joli. À la base, la photo est très, 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 très claire. Et donc, ils préféraient peut-être mettre du sépia, je sais pas. Mais franchement, je trouve que ça fait un bel effet. Il marquait My Friend aussi. J'adore. Elle est trop belle, quoi. Et franchement, la qualité photo, je m'attendais pas à ça, elle est vraiment sympa. Bien sûr, ça protège de tous les côtés et c'est souple. Donc, c'est parfait. Celle-ci, elle a coûté 9€, il me semble. Normal, c'est pas plus cher, c'est une photo personnalisée. Mais j'avoue, j'ai coûté beaucoup plus cher et ils sont pas personnalisés. Et ensuite, sur le même site, j'ai commandé une housse pour mon PC. Pour ceux qui savent pas, j'ai reçu un PC à Noël. Et celui-ci est personnalisé aussi, c'est 21€, c'est un peu plus cher. Et donc, le voici, j'adore. Une belle photo de moi, là. Oh, mais elle est trop belle, la vie est belle, avec les émoticônes à côté. La qualité de photo, elle est top pour le prix. Je m'attendais à plus cher. J'avais vu des housses à 50 balles pour photo personnalisée. Il faut pas exagérer non plus, mais là, c'est souple. C'est une housse et personnalisée, donc c'est sympa. J'adore. Et enfin, le dernier site que j'ai reçu seulement aujourd'hui, c'est qu'elle est dedans. Donc, c'est parti pour l'ouverture. Et donc, dedans, nous avions deux choses. Premièrement, j'ai acheté un verre trempé, mais alors, quand j'ai vu, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas ça. Donc voilà, le truc. Donc en fait, dedans, vous aviez ça, mais il n'y a pas le mode d'emploi, donc je sais pas comment ça fonctionne. Ceci, où il est marqué humide ou sec, donc je sais pas à quoi ça consiste. Puis dedans, j'avais un verre trempé. Mais il est hyper dur. Voilà mon verre trempé, je pense que ça se voit. Et hyper dur, ça c'est bien, il est tout propre. Je vais pas trop toucher avec mes doigts, sinon ça va pas aller. Mais on ne met pas comment... Enfin, ils ne disent pas comment le mettre. Et avec quoi il faut le mettre, coller avec ça, je ne sais pas. Je vais lire plus. Et ici, il y a des autocollants comme ceci, donc voilà. Mais je vais attendre un petit peu avant de le mettre, je pense bien le mettre trop vite. Mais il a l'air vraiment sympa. Il est très très protégé, donc je suis super contente. Et enfin, ma coque, qui vient de chez Coque Unique. Voilà le site.
J'en parlais d'ailleurs dans mon vlog avant Noël. Et donc c'est parti pour l'ouverture. Elle est trop belle. Elle est rigide. Alors je suis juste un petit peu déçue parce que là c'est vide. Et là au-dessus aussi. Et là aussi. Donc ça protège pas partout. Mais la photo, elle est canon. Par contre ici, ils ont un petit peu plus décalé, mais le V est juste là quoi. Bon, c'est pas grave, mais ce qui compte, c'est que la photo, elle est vraiment canon. J'adore la qualité. Elle est même meilleure que sur le téléphone, quoi. Oh, je m'attendais pas à ça, quoi. Elle est vraiment belle. J'adore la photo. Oh, je suis genre. Donc, celle-ci, elle est très rigide, très pratique. Voilà. Et voilà. Donc, voilà, les amis, la vidéo est terminée. Je vous ai montré toutes mes coques, ma rouge, mon livre. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, le site, il y a Coque Unique, où il y a Case Company, où il y a Amazon. Voilà tous les sites. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!